Salut tout le monde, c'est Magemmo pour une nouvelle présentation de goodies. Et cette fois-ci, ça va être deux petites figurines. Enfin, petites. Elles sont de taille raisonnable. Hein. Elles sont de l'ordre de la taille des figurines NECA. Et donc, il n'y a pas vraiment de rapport direct avec Assassin's Creed, vu que je les ai achetées dans un magasin totalement indépendant de reproduction d'objets et d'armes antiques. Et donc, vous voyez tout d'abord ici à droite la figurine du roi Richard, hein, Richard Cœur de Lion, encore King Richard en anglais. Donc, c'est une figurine en résine, hein, la deuxième qui va suivre également. Et donc, voilà, je l'ai trouvé très sympa, toujours dans le thème d'Assassin's Creed et donc, enfin, des croisades. Et à côté, on a donc un maître templier qui ressemble, comme vous pouvez le voir, très fortement à Robert de Sablé. Donc dans ce magasin, il y avait vraiment plusieurs templiers. Il y avait le choix entre vraiment plusieurs types de templiers. Et donc bah, ce maître templier là est très bien. Donc ce qui est un peu dommage par contre, c'est que là, si vous regardez le socle, vous voyez qu'il est un peu plus élevé. Ce qui fait qu'on a une différence de taille au niveau des deux. Mais donc ça devrait, enfin, ce sont quand même de belles figurines, hein, pour 20 € chacune, j'ai trouvé ça pas mal. D'ailleurs, je me suis procuré la figurine NECA d'Assassin's Creed justement pour faire un ensemble avec tout ça, avec donc le roi Richard, qui lui n'est pas vraiment identique au jeu, et mais Robert de Sablé qui lui a vraiment la tenue de Templier, comme vous pouvez le voir. Donc vraiment, deux beaux articles que je voulais vous présenter, et si ça se trouve, j'en achèterai d'autres par la suite. Donc vous pouvez voir par exemple ici. La carte de visite, enfin la carte du magasin en fait. Voilà, donc carte en tout cas du fabricant Medioevo. Et donc j'ai acheté ça, c'était en Italie, Venise plus précisément. Donc vous voyez, Armigeri in resina. Bon, et donc derrière la collection des différents templiers que l'on peut avoir. Donc vous voyez, il y a le soldat templier, il y a le maître templier que j'ai, la 501, la 502. Un casque à cornes, 511 qui est un peu différent, 512 en rouge, 513 avec un aigle, il y a 517 avec des cornes qui est en bleu, 518 après les deux dernières qui... Le dernier est très joli, le templier qui est à genoux et qui prie, vous voyez. Donc non, c'est vraiment des très belles figurines. Alors c'est pas... Dans le magasin il y en avait même d'autres, hein, là vous n'avez pas tout. Donc voilà, je voulais vous présenter ces figurines. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.